Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames, messieurs, de toutes les sciences naturelles, la biologie est la plus proche de l'existence humaine. Après tout, c'est la seule à faire de promesses plausibles, qu'il s'agisse de réduire les souffrances de la maladie, d'éradiquer la famine, de défier la mort. C'est la seule qui laisse entendre que nous parviendrons à conquérir l'esprit. Le pneuma de grec. C'est cette prise en compte à la fois d'un espoir ancien, d'une peur primordiale, et qui fait de la biologie quelque chose qui nous est si proche. En tant que biologiste, je pense donc que l'expérimentation, qui constitue le cœur méthodologique de ma discipline, a de profondes implications. Elle cherche à aborder des questions fondamentales qui, au bout du compte, affectent non seulement notre vie physique, mais aussi notre vie spirituelle et sociale. Car c'est par pure curiosité que je me suis au départ intéressé aux sciences. Je pensais en effet intuitivement qu'à toute question, il existe une réponse. Et je commençais ma carrière scientifique comme chimiste, avec un intérêt très vif pour la chimie théorique, pour ensuite m'intéresser progressivement à la biologie. Et c'est donc beaucoup à la séduction naïve de cette double promesse implicite de la biologie. Ça procède du sens de l'existence humaine et en soulageait quelque peu les souffrances. Au cours de siècles, la biologie, au sens large, a vu donner un rôle important au Collège de France, depuis la création de la première chaire de médecine en 1769. Je vous suis donc particulièrement reconnaissant, chers collègues, et de m'avoir invité à faire partie de cette institution absolument exceptionnelle. Votre choix m'honore, me rend humble et conscient de mes devoirs vis-à-vis au collège. Je voudrais donc tout d'abord vous remercier et en tout particulièrement mes collègues de la biologie, d'avoir décidé de créer une chaire de biologie et de la génétique du développement, et de m'avoir accepté parmi nous. Permettez-moi de remercier spécialement M. le professeur Pierre Chambon, qui a défendu ma candidature, et M. le professeur Dagron et Glovensky, pour leur aide, et ce qui est plus important encore, pour la chaleur avec laquelle ils m'ont accueilli au sein de cette maison. Mes remerciements vont aussi aux membres de l'Académie des sciences qui ont ratifié votre choix. Et enfin, je tiens à exprimer ici ma reconnaissance profonde à Madame le professeur Nicole Douarin, qui la première a eu l'idée de ce projet, qui a bouleversé tant d'aspects de mon existence. Dans sa leçon inaugurale, en 1965, François Jacob avait déjà signalé que nos jours, le chercheur travaillant au laboratoire est tiraillé entre son travail, toujours plus dévoreur de son temps, et la nécessité, j'ajouterai pour ma part l'obligation, d'enseigner notre discipline. En effet, sans enseignement, je pense que la recherche perd beaucoup de son intérêt. Ces soucis paraît encore plus fondé aujourd'hui, que la biologie progresse à grande vitesse et tout aussi important, envahit nos vies comme aucune discipline scientifique ne le fait jusqu'ici. Il me semble presque impossible de contenir l'ampleur de champ par la biologie contemporaine dans un cadre universitaire classique. Et après 20 ans d'enseignement universitaire, je sais que l'enseignement de la biologie est devenu que ce soit par nécessité, par choix ou par simple contrainte du temps, quelque chose de très spécialisé et de fort technocentrique,
Laissons de côté une bonne part de la réflexion de la synthèse et à coup sûr du passé qui fonde cette discipline. C'est là, à travers un travers grave, et je ne saurais imaginer ou concevoir un lieu qui se prête mieux à ce qu'on en parle que le Collège de France. Pour moi, qui n'ai fait pas mes études en France, le Collège de France a symbolisé toujours le savoir, mais non pas un savoir qui a été acquis et que l'on se contente d'ensuite de dispenser, mais au contraire, comme disait Renan, un lieu où on enseigne la science en voie de se faire. Le Collège de France est le type même d'établissement d'enseignement où la liberté universitaire a encore tout son sens, et où tous peuvent venir écouter les conférences sans restriction aucune, et où les professeurs ont une liberté inégalée d'enseigner, leur seule contrainte étant leur sens du devoir vis-à-vis leur discipline. La biologie est par excellence une science expérimentale. Ce n'est pas une science exacte au sens de la physique ou des mathématiques. Les objets biologiques sont trop complexes, trop peu circonscrits, pour qu'on puisse les décrire au moyen de théories générales. Dans une large mesure, la biologie expérimentale consiste d'une collecte d'informations, enrichie au cours de deux dernières décennies par de nouveaux modes d'analyse et une capacité sans précédent de collecte de données. Il n'y a rien d'étonnant à ce que nombreux soient ceux qui se plaignent que les biologistes contemporains sont parfois trop occupés à recueillir des informations et consacrent trop peu de temps à l'analyse et la conception de cadres expérimentaux. La querelle des anciens et des modernes, pour citer l'épigramme de Fumaroli, bat son plein. Mais je crois quand même que cependant, que dans ma discipline, ça c'est un signe plutôt de vitalité qu'un problème véritable. Il n'en demeure pas moins que notre méthodologie et nos paradigmes expérimentaux sont en train de se modifier, et ce faisant, nous plonge dans la perplexité. La réalité d'aujourd'hui constitue une remise en cause de ce que nous sommes et avons été sur le plan de l'expérimentation et la recherche universitaire. Nous reconnaissons cependant tous que nous vivons une époque de synthèse méthodologique et épistémologique dans les sciences biologiques. Et ce n'est pas par hasard que le Collège de France a décidé de créer un cercle qui réunit la biologie et la génétique du développement. Deux disciplines qui, au cours de deux derniers siècles, ont été séparées par des barrières intellectuelles et ont parfois fait preuve d'hostilité l'une envers l'autre. Aujourd'hui, cependant, il est clair que la biologie du développement est inséparable de la génétique. Je me suis fixé pour cette première leçon que je prononce dans le cadre de mon enseignement sur la biologie et la génétique du développement, un certain nombre d'objectifs, si distincts soient-ils, ne sont pas sans rapport entre eux. Je voudrais vous donner une idée de la manière dont cette discipline a évolué, même si la reconstruction a posteriori d'une histoire intellectuelle est un exercice très dangereux. Je vous ferai part de mes vues quant au niveau atteint aujourd'hui par la biologie du développement, quant aux directions qu'elle va emprunter. À mon avis, j'essaierai de vous expliquer pourquoi je vois là un champ qui intègre tant de disciplines biologiques traditionnellement isolées. Et enfin, je voudrais aborder la question de l'impact que ce domaine des sciences est en train d'avoir sur notre société, car je demeure fervemment convaincu que le savoir scientifique ne saurait jamais être dissocié d'une pensée sociale. Qu'est-ce que c'est donc la biologie du développement? Les règles qui déterminent comment un œuf va se développer, former un organisme multicellulaire et à terme mourir, constituent l'objet de la biologie du développement. Elle décrit un champ d'investigation scientifique couvrant l'embryologie, le développement de l'embryon, sujet qui intéresse le Collège de France depuis de longues années. C'est en effet en 1844 qu'a été créée la première chaire d'embryologie, à savoir à la chaire d'embryologie comparée de Victor Coste,
qui allait successivement occuper Édouard Balbiani et Emmanuel Fauré-Frémier. En 1955, cette chaire fut transformée en chaire d'embryologie expérimentale pour être occupée par cet éminent embryologiste qui fut Étienne Wolff. La chaire que j'ai aujourd'hui l'honneur d'occuper appartient aux sciences biologiques, mais j'estime qu'elle s'inscrit dans la continuité intellectuelle de la chaire d'embryologie cellulaire et moléculaire qu'a occupée Nicole Douarin, élève et héritière intellectuelle d'Étienne Wolff. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans l'annuaire du Collège de France, la chaire de Nicole Douarin apparaît dans le groupe de chaire dite médecine. Je pense, pour ma part quand même, que la biologie de développement est devenue un pont entre les sciences biologiques et fondamentales et la médecine, de telle sorte qu'à mes yeux, la distinction traditionnelle entre sciences biologiques et médecine n'a plus guère d'utilité. Peut-être c'est Aristote qui, le premier, fit de l'embryologie. D'une certaine manière, il fut aussi le premier à fonder la méthode comparée en embryologie. Et c'est ainsi qu'il parvient à classer les animaux en fonction de leur type de développement embryonnaire. Aristote inventa un univers sans début ni fin, éliminant aussi la nécessité présocratique d'un créateur universel. Mais la biologie dans cet univers était mue par son objet ultime, elle était téléologique. L'idée d'un univers sans créateur, d'un univers infini, apporte un cours sur une solution brillante, je pense, à un problème philosophique. Mais il est évident que la notion présocratique du mécanisme, mechanismos, comme on dit en grec, contre laquelle vraiment s'est développée la téléologie, est de nature à faire battre plus vite le cœur de tout biologiste moderne. La notion de Lazare et de nécessité chez Démocrite résume de manière saisissante la pensée biologique de notre époque. Le vue d'Aristote a marqué la pensée scientifique tout au long de l'âge de ténèbres jusqu'au XVIIe siècle, lorsqu'elle fut enfin remise en cause par la pensée cartésienne. Même si le monde de la révolution scientifique n'avait pas été régi par des principes différents de ceux qui actionnent les machines, les acteurs de cette révolution n'étaient pas moins croyants. Ainsi quel était leur désir de mettre un terme aux explications métaphysiques de phénomènes physiques, Dieu demeurait pour eux l'architecte ultime de lois universelles. À un sens, c'était d'ailleurs là comme un retour de l'univers pré-aristotélicien. Ce mouvement, dit physicaliste, allait inspirer des réactions vitalistes qui allaient perdurer jusqu'à l'époque moderne. La définition de ce que c'est le développement et de la manière dont il se produit allait provoquer près de deux siècles de débat au XVIIIe et XIXe siècle. Comme il s'agissait du monde du vivant, le débat n'était jamais bien éloigné ni de la religion ni de la philosophie. On y trouvait aussi l'argumentation épigénétique, correspondant pour l'essentiel aux positions aristotéliciennes, qui affirmait que la complexité morphologique de l'embryon, dans sa dernière phase, par l'apport à l'œuf, essentiellement informe, s'est développée progressivement. Dans l'ensemble, les forces vitales étaient ainsi invoquées pour expliquer la transformation, manifestement miraculeuse, d'une cellule unique à un organisme complet. À l'autre extrémité du spectre, les préformationnistes estimaient que le sperme ou l'œuf contenait en miniature un embryon pleinement formé, l'homunculus, chez l'homme. Le développement pour eux n'était que le déploiement, l'évolution du fœtus préformé. Ce sont les descriptions rigoureuses et comparées des embryons, fruits essentiellement de travaux de Caspar Friedrich von Wolff et de Karl Ernst von Baer, qui fut sans doute la plus grande figure de l'embryologie, qui finalement refutèrent le préformationnisme. Cependant, le fait biologique
par leur complexité et faute de descriptions quantitatives précises, furent, comme ce fut souvent le cas, déformés ou ignorés. Ainsi, une résurgence du dogme préformationniste selon lequel l'ontogénie récapitule la phylogénie, qu'on a dessiné du nom de théorie de la récapitulation ou loi biogénétique, a survécu longtemps jusqu'en XXe siècle. Son principal défendeur fut Haeckel, dont l'esprit et les théories servirent à rationaliser vraiment les biopolitiques du Troisième Reich. La génétique moderne, comme le fait observer Stephen Jay Gould, ne pourrait pas être davantage à mi-chemin entre épigenèse et performation. En effet, si nous remplaçons la notion de homunculus par celle du génome, considérant aussi l'animal sous sa forme codée, nous pouvons remonter de l'œuf fécondé à Adam et Ève. Et si nous remplaçons la notion de force vitale par celle encore une fois de génome, à la force miraculeuse qui permet la répétition régulière et essentiellement invariante du processus de développement de génération en génération, l'entelchie, se dégage alors de ses connotations métaphysiques. Mais pour bien comprendre le principe d'ontogénie, encore fallait-il prendre conscience de ce que toutes les plantes et tous les animaux, qu'ils soient l'extraordinaire diversité de leur aspect extérieur, ont une unité structurelle, la cellule. À 1839, Schwann concluait dans sa Zellentheorie que tous les organismes sont composés de parties semblables, à savoir des cellules, que les cellules se forment et croissent selon des lois qui sont essentiellement toujours les mêmes, et que ces faits de processus en question doivent partout résulter du travail de même force. Quelques décennies plus tard, la cellule se dotait en cytoplasme, d'une membrane qui l'entourait, et d'un noyau. Progrès important, on comprit alors que les cellules naissaient de la division des cellules préexistantes, mais si l'expression « omnis cellula et cellula » est attribuée à Remak et Virchow, qui l'aurait prononcée vers 1850, elle est quand même fondée en effet sur près d'une siècle d'observations variées effectuées par un très grand nombre des biologistes. La recherche de réponse à la question du comment fonctionne le développement ne pouvait plus reposer sur un simple cadre descriptif. Le moment était venu de passer à l'expérimentation. Passer à l'expérimentation en biologie, en général, signifie presque toujours perturber un système et en étudier les conséquences. On espère, la certitude n'étant jamais de mise, que celui résultera à ce qui résultera à l'expérience permettra par l'extrapolation de déterminer ce qui se passe en temps normal. La perturbation d'un système dans son état dit sauvage peut être réalisée, par exemple, par la chirurgie. Et de fait, l'embryologie est alors entrée dans une nouvelle ère avec l'introduction d'expériences de transplantation. Vers la fin du XIXe siècle, deux problèmes accompagnaient en effet les chercheurs, celui du potentiel de développement de couches germinales et celui tout à fait fondamental de la différenciation cellulaire. La question de règles soutenant de la différenciation cellulaire allait s'avérer difficile à résoudre. Weismann et puis Boveri allaient établir que le matériel génétique du noyau était localisé dans le chromosome, dont le nombre ne changeait pas de cellule mère en cellule fille au cours de la division cellulaire. Mais si toutes les cellules se caractérisaient par une constitution génétique identique, comment donc pouvaient-elles se différencier en si nombreux types de cellules? La question de savoir si toutes les cellules somatiques contenaient ou non l'ensemble de déterminants génétiques nécessaires à la formation ab initio d'un organisme normal complet est toujours, et
comme telle du processus véritable de la différenciation, restait sans réponse bien après que la biologie moléculaire ait commencé à se développer. Aujourd'hui encore, alors qu'on est parvenu à cloner des mammifères, on ne sait pas encore exactement si tout noyau somatique a ou non les capacités requises pour assurer le développement d'un adulte parfaitement normal. La question de savoir comment les cellules choisissent le destiné particulier et par conséquent des programmes de développement donnés demeure un problème central de la biologie du développement, un problème auquel je consacre mes recherches depuis une vingtaine d'années vraiment. La problématique, je dirais même plus certain, le principe de base régissant les destinées cellulaires continue de se fonder sur les premières conclusions de la biologie expérimentale. Du point de vue méthodologique, ne perdons pas de vue qu'en effet, que l'outil fondamental de l'embryologie expérimentale fait jusqu'ici appel à la manipulation chirurgicale. La transplantation et les interventions mécaniques sur l'embryon en développement constituent toujours le cœur méthodologique de l'embryologie. Le percée le plus fondamental provient encore aujourd'hui des approches chirurgicales traditionnelles en dépit de l'introduction de techniques émanant de la biologie moléculaire, dont la plupart se contentent en effet d'améliorer les techniques dites chirurgicales. La définition puis l'utilisation par exemple des chimères par Nicole de Douanin et ses élèves nous ont jusqu'ici appris beaucoup plus que n'importe quelle approche moléculaire sur le profil migratoire des cellules, et la définition de nombre de lignées cellulaires importantes chez les embryons vertébrés. En 1900, on allait redécouvrir le travail de Mendel, qui avait correctement interprété la ségrégation de génération en génération de traits spécifiques du phénotype, établissant aussi la loi fondamentale d'hérédité. C'est quand même Thomas Hunt Morgan, qui, au début du XXe siècle, allait toutefois formaliser les règles de Mendel en élaborant ce qu'il allait appeler la théorie du gène. L'introduction par Morgan de la mousse du vinaigre, Drosophila melanogaster, dans l'étude d'hérédité mendélienne a marqué un tournant, fondant la génétique autant que science, vraiment. Un peu comme aujourd'hui, où nous nous trouvons confrontés d'une quantité d'informations extraordinaires sur les séquences, sur l'effet de projet de l'étude du génome, la quantité de mutations répertoriées devient alors telle qu'elle entraîna un véritable glissement du paradigme de classement. L'ancien système néo-mendélien qui classait le mutant selon des systèmes de groupes d'organes s'avéra aussi intenable. Le résultat fut que Morgan et ses élèves, dont Sturdevant, inventèrent la cartographie génétique. Ce qui était fort peu clair à l'époque, source de confusion et de polémique, c'était le rapport entre les entités invisibles d'hérédité, le gène, et le caractère phénotypique qu'on pouvait suivre de génération en génération. Morgan, lui-même embryologiste, avait bien conscience du problème. Il affirmait avec raison que la théorie du gène, telle qu'il l'avait formulée, ne dit rien de la manière dont les gènes sont liés au caractère final. En fait, l'embryologie s'est toujours développée dans l'indépendance la plus totale par rapport au nouveau principe d'hérédité, et il esquissait ensuite des importantes considérations que tout étudiant en embryologie doit garder à l'esprit dans son travail de recherche. Mais l'esquisse en question ne permettait pas d'établir de passerelle entre la biologie du développement et de la génétique. En dépit du besoin ressenti par certains de faire dialoguer l'embryologie et la génétique, et de l'hypothèse exacte, mais à l'époque encore intuitive, selon laquelle le développement des organismes était étroitement lié à l'action des gènes, le rapport entre ces deux disciplines n'a été initié que vers la fin des années 30. 1930, je veux dire. Entre-temps, Spemann, Wilson, Harrison, Orstadius et des autres allaient assurer le succès de l'embryologie expérimentale.
C'était ainsi qu'il allait être établi bon nombre de concepts fondamentaux de l'embryologie, tels que la polarité d'œuf, la notion du gradient, la communication cellulaire, l'autonomie des états différenciés, etc. Et pourtant, l'articulation entre ces phénomènes et les gènes ne se fait pas. Il est extraordinaire de voir que même en 1949, Ross Harrison, dans ses conférences Silliman à l'université de Yale, sur l'organisation de l'embryon en développement, mentionne à peine le mot gène. Alors qu'il résume son propos, il fait une référence presque maladroite au caractère des espèces, qu'on a l'impression qu'il évoque presque uniquement pour qu'on le sache qu'il a évoqué, le fait que la génétique pourrait s'avérer utile à l'embryologie, mais manifestement, il se montre incapable d'imaginer que de liens utiles puissent se nouer entre ces deux disciplines dans l'avenir. À l'époque, dans les milieux d'embryologie, on pensait généralement que les gènes étudiés par les généticiens n'avaient rien à voir avec l'embryogenèse et que les phénotypes qui suivent n'avaient de pertinence que pour des stades terminaux de la différenciation des organes. Ainsi, les généticiens, n'ayant pas encore clairement corrélé les gènes mutants et des phénotypes embryonnaires donnés, et expliqué comment les chromosomes identiques peuvent donner lieu à deux types cellulaires différents, il ne semblait pas d'y avoir lieu d'ancrer l'embryologie dans la fonction génique. La fin des années 30 apporte non seulement une description complète de l'embryologie de la drosophile, drosophila mélanogaster encore, mais aussi la première et timide indication que le gène ont une incidence sur le développement embryonnaire. Et c'est à Caltech, en Californie, que Donald Poulsen commençait à étudier systématiquement l'incidence des suppressions chromosomiques chez la drosophile pour déterminer si le gène affectait les premières phases de la morphogenèse. L'un des premiers phénotypes embryonnaires qu'il allait étudier était associé aux mutations du gène NOTCH. J'ai eu l'honneur d'hériter son laboratoire, du laboratoire de Donald Poulsen à Yale, après son départ à la retraite, près de 50 ans plus tard, et le locus NOTCH est devenu l'objet de mes propres travaux expérimentaux, et le demeure aujourd'hui encore. Deux découvertes clés ont marqué la recherche en biologie dans la génération suivante. D'une part, la découverte faite par Avery et son équipe en 1944 que l'ADN était le matériel génétique. Et de l'autre, l'élucidation par Watson et Crick en 1953 de la structure de l'ADN qui expliquait comment les gènes se répliquaient à l'occasion de la division cellulaire et assignaient de ce fait un mécanisme moléculaire à l'hérédité. La biologie moléculaire était vraiment née. À la fin des années 60, le soubassement moléculaire de la physiologie cellulaire était établi. Le code génétique révélait comment l'information stockée dans l'ADN se traduisait en protéines spécifiques. Le concept d'opéron voyait le jour et l'on démontrait que les signaux cellulaires extérieurs pouvaient activer ou désactiver des gènes par le truchement de protéines de régulation qui reconnaissait des séquences spécifiques de l'ADN génomique. L'idée selon laquelle les gènes pouvaient être activés ou désactivés était révolutionnaire dans la mesure où elle fournissait enfin une explication plausible au fait que les cellules sont capables d'exprimer diverses protéines alors même que leur contenu génomique est identique. Le problème de la différenciation était résolu sur le plan de concept. Il est cependant intéressant de noter que la définition physique du gène, cette entité héréditaire, invisible, qui hantait les biologistes depuis Mendel, est restée floue jusqu'à ce que le séquençage de l'ADN devienne possible dans les années 70, grâce aux travaux de Max Amen et de Gilbert à Harvard, et de Sanger, comme vous avez dit, dans le fameux laboratoire de la biologie moléculaire du MRC. Medical Research Council. Je suis entré
au laboratoire de la biologie moléculaire du Medical Research Council en 1971 pour travailler sur les protéines thermostables après avoir obtenu une licence en chimie, comme vous avez dit, à l'École polytechnique de Zurich, et alors que je faisais mes études doctorales à l'Université de Cambridge. Le MRC Lab, au labo de Marcy, comment nous l'appelions, était un endroit absolument magique pour un jeune doctorant à l'époque. Un endroit qui avait des structures, qui n'avait pas de structures rigides universitaires. On y avait la liberté et les moyens de faire tout ce qu'on pouvait s'imaginer. Et ces autochtones étaient des géants de la révolution de la biologie moléculaire. Francis Crick, Sidney Brenner, Fred Sanger, Max Perutz, Aaron Klug, César Milstein. Un endroit extraordinaire. À mesure qu'on découvrait aussi les règles de base de la biologie moléculaire du gène, la vieille envie de s'attaquer des organismes plus complexes que les bactéries et le phage faisait son retour. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le rapport entre le gène et la morphogenèse était encore mystérieux. Le rapport entre, et je me souviens très bien, l'excitation de Francis Crick dans ce laboratoire, quand le généticien espagnol Garcia Bellido, travaillant sur la mouche, sur la Drosophila melanogaster, découvrit que l'aile avait une frontière de compartiment antéro-postérieur, invisible à l'œil, mais qu'il pouvait être affecté par des mutations génétiques spécifiques. L'existence des compartiments contrôlés par le gène était certainement le signe d'un lien entre le gène et action morphogénétique dans le processus de développement. L'idée que la biologie moléculaire, quand même, nous apportait des outils grâce auxquels nous allions pouvoir desséquer le développement au niveau moléculaire était incroyablement séduisante. Mais recourir à la biologie moléculaire pour des travaux de génétique et de développement n'était pas encore très facile, car il n'y avait pas de méthode convenue permettant d'isoler et d'étudier des gènes donnés au niveau biochimique. Ces outils allaient voir le jour vers 1972. Paul Berg, avec ses collègues de Stanford, avait réussi à insérer enzymatiquement le segment eucaryotique de l'ADN dans un plasmide bactérien. La molécule hybride pouvait alors être propagée dans les bactéries et réisolée sous la forme pure. On pouvait aussi isoler des segments donnés de l'ADN génomique prélevé chez n'importe quel organisme supérieur, en quantité suffisante pour en faire la dissection biochimique. Les conséquences de l'introduction de cette technologie de l'ADN recombinant en biologie ont été extraordinairement profondes. Pour la première fois, nous pouvions étudier les gènes sur le plan biochimique et, tout aussi important, nous avions les moyens d'aller modifier l'information stockée par l'évolution dans le génome des organismes. Comme c'est souvent la règle en biologie, les techniques de l'ADN recombinant ont constitué une révolution non pas conceptuelle, mais technique. Et certains durent faire preuve de beaucoup de talent pour qu'on comprenne quelles seraient les applications possibles de la découverte et qu'on identifie le problème qu'elle permettait de résoudre. Le percée de cet ordre, si important soit-elle, sont en général ensuite oubliés, à mesure qu'elle acquiert la force d'évidence. Il est cependant indéniable que le mérite d'avoir compris comment utiliser l'ADN recombinant pour aborder des questions de développement revient à David Hoeganes à Stanford. David Hoeganes avait décidé d'étudier le génome et de dresser la carte de gènes d'un organisme multicellulaire au niveau moléculaire. En réorientant ses travaux du phage lambda vers la drosophile, il partit donc en congé sabbatique à Caltech pour accueillir les connaissances sur les mouches dans le laboratoire de Ed Lewis, qui avait été un des élèves de Sturdevant, qui avait consacré sa vie scientifique à l'étude du locus bithorax, entité génétique complexe, qui paraissait contrôler l'identité de certains segments du corps de la mouche.
Son travail était à la fois ésotérique et spectaculaire, dans la mesure où il était manifestement en train de mettre un rapport activité de gène et phénomène morphogénétique de base. Hoeganaes se rendit compte que la technique de l'ADN recombinant permettait d'isoler des segments chromosomiques donnés, comme à l'époque de Morgan, où il s'était avéré possible de dresser des cartes de gènes en utilisant les outils de la génétique. Nous pouvons maintenant dresser les cartes de gènes et étudier leurs fonctions au niveau moléculaire. Nous allions enfin pouvoir disséquer le gène critique pour le développement. En 1974, mis à part le laboratoire de Hoeganaes, seule une poignée de laboratoires avait entrepris d'étudier le développement sur le plan moléculaire. La plupart travaillaient sur le xénope, système parfait pour l'embryologie, mais donc on ne pouvait pas espérer de lien avec la génétique, vraiment. L'une des exceptions à cette règle était toutefois le laboratoire de Walter Gehring à Bâle. Gehring avait été formé à la biologie de développement classique avec la drosophile, et comme il s'intéressait aux mutations homéotiques, il fut rapidement sensible à l'intérêt de techniques de l'ADN recombinant. Et il s'engage donc à investir dans le développement de ces technologies de manière à pouvoir étudier de son laboratoire le mécanisme du développement au niveau moléculaire. Après avoir obtenu mon doctorat, j'ai donc quitté le laboratoire de l'MRC pour rejoindre Gehring en 1975 en tant que postdoctorant dans l'espoir d'isoler et étudier le locus Notch. Notch était défini par un phénotype haploïde suffisant observé pour la première fois par le groupe de Morgan vers 1910 et qui affectait la morphologie de l'aile ainsi qu'un phénotype embryonnaire, le tal, caractérisé par pulsion dans les années 40. Notch paraissait pouvoir constituer un système expérimental prometteur pour la résolution de divers problèmes de génétique et de biologie de développement. Même si nous ne savions rien de sa nature moléculaire à l'époque, on sait aujourd'hui qu'il encode un récepteur de signaux cellulaires, le gène était sur un plan génétique et cytogénétique l'un des locus les mieux caractérisés de la drosophile. Son action, contrôlant tel un interrupteur, le destinait d'un certain nombre de cellules qui pouvaient ainsi soit emprunter à une voie alternative épidermique, soit s'engager dans une voie de différenciation neurale. En outre, Notch inventerait à divers stades de développement et dans plusieurs tissus, et pouvait donc servir de paradigme pour examiner l'action pléiotrope dans le développement. Cependant, malgré une tentative de plus sincère, je dus alors renoncer, ne serait que temporairement, à mes plans ambitieux. On ne disposait en effet tout simplement pas encore d'une technologie permettant d'isoler des gènes spécifiques. J'allais devoir attendre 4 ans de plus avant de rejoindre le laboratoire de Hoeganaes, en tant que post-doctorant, et de parvenir enfin à isoler le gène Notch. À cette époque, donc, on étudiait le gène que l'on parvenait à isoler, et non pas seul que l'on voulait isoler. Je, pour ma part, ai fait porter mes efforts sur le gène abondamment exprimé, donc le ARNM était d'un accès assez facile. Avec Paul Schedel, lui aussi un post-doctorant au laboratoire, l'appui enthousiaste de Walter Gehring et la collaboration généreuse du groupe Hoeganaes, nous sommes parvenus à développer la technologie de l'ADN recombinant à Bâle et étudier la structure des gènes ARNT, 5S, d'un modèle de gène inductible, à savoir le gène de Hitchcock. Nous connaissons si mal la structure de gènes que toute étude de gènes était pour nous riche d'enseignements. Mon passage dans le laboratoire de Walter Gehring allait coïncider avec celui de Jan Nusslein Volhard. Biologiste moléculaire de formation, elle avait rejoint le laboratoire de Gehring pour y étudier la morphogenèse.
Malgré l'enthousiasme qui suscitait la nouvelle approche fondée sur l'ADN recombinant, Jan Nusslein-Volkart se tenait à la génétique du développement, en instaurant seul les approches méthodologiques qui allaient fonder le travail le révolutionnaire qu'elle ferait quelques années plus tard. Avec Erich Vishwas, qu'il avait rejoint à Heidelberg, il allait mettre au point un crible pour mutation affectant la morphogenèse. L'analyse de mutants allait paraître en 1980 et susciter un intérêt tout à fait extraordinaire, poussant de nombreux laboratoires à étudier les bases génétiques de la formation de patterns dans l'embryon de la drosophile. Au bout de quelques années, le travail effectué dans le laboratoire de Nusslein et de bien des autres allait révéler la logique développementale sous-jacente de la morphogenèse d'une manière à la fois simple sur le plan conceptuel et satisfaisante sur le plan intuitif. La constitution de la mouche en une structure à trois dimensions s'avérait dépendre de trois catégories de gènes. Le gène maternel définissait un œuf doté d'une polarité antéro-postérieure et ventro-dorsale définie. Le gène de la segmentation subdivisait l'embryon en segments une fois l'œuf fécondé. Et enfin, le gène homéotique conférait à chaque segment une identité spécifique. La mise en rapport de la génétique et du développement que préconisait Morgan avait donc été faite. Et le fait de pouvoir étudier le problème de développement en se servant d'utiles génétiques s'était révélé non seulement extraordinairement utile, mais avait de plus permis de relever de règles biologiques fondamentales. Quelle qu'était l'élégance et l'attrait conceptuel des analyses génétiques de Nusslein-Volkart, c'était pendant l'étude moléculaire de divers gènes définissant les hiérarchies génétiques dans la morphogenèse qui a véritablement permis de compléter le tableau. Et sans cet apport, je doute fort qu'on aurait pu reconnaître rapidement l'ensemble des conséquences de ces travaux. Les études comparées de gènes de la mouche et de gènes de système mammifère, hommes compris, ont révélé un degré de conservation plus important encore que n'osait l'espérer ceux entre nous qui étaient le plus convaincus de la justesse de l'aphorisme de Jacques Monod, selon lequel ce qui vaut pour Escherichia coli vaut pour l'éléphant. La découverte de l'homoboîte par le laboratoire de Gehring, d'une part, par Matt Scott, de l'autre, a été un tournant important. Cette séquence permettait aux protéines homoétiques telles que celles codées par le locus bithorax, étudié par Ed Lewis, de moduler l'activité de gènes spécifiques d'aval qui déterminaient alors la différenciation cellulaire. Elle fournissait de plus une base pour prendre en compte quelque chose de totalement inattendu, à savoir que les indications moléculaires responsables de la définition de l'axe antéro-postérieur chez l'homme sont semblables à celles de la mouche. Ce qui met en lumière l'unité biologique du développement métazoaire, une unité qui n'aurait pas pu être décelée autrement. Et ainsi, même si les travaux effectués depuis un siècle n'ont pas permis de dégager de théorie générale de la vie organique, ils nous ont cependant rapprochés d'une grande synthèse. Une fois de plus, c'est à grâce au progrès technique et non pas conceptuel que nous avons pu obtenir au cours de deux dernières années le séquençage de génome entier. Il a d'une part corroboré l'idée d'un parenté entre les systèmes modèles invertébrés, mouches ou vers par exemple, et l'homme, du point de vue de la structure génique, et de l'autre, il a remis en cause la méthode utilisée jusqu'ici pour tenter de donner un sens à la quantité extraordinaire d'informations que nous sommes en train de produire. Nous sommes aujourd'hui obligés d'inventer de nouveaux modes de traitement de ces informations, et en cela, nous ne sommes pas si différentes de Morgan qui avait été forcé d'inventer de nouveaux paradigmes
pour traiter le déluge de mutants qui générait son laboratoire. Chose intéressante, c'est pour le moment la mise au point de ce nouveau outil paraît être le fait de mathématiciens et que de biologistes. Nous vivons à l'aube de la biologie informatique. Mais nous ne savons toujours pas comment définir au juste les rapports qui unissent cette forme de mathématiques à la biologie. Rares sont les universités qui se sont dotées de chaires dans ce domaine, et nous sommes encore aux prises avec une grande incertitude. Et c'est là le début d'une nouvelle discipline où il s'agit simplement d'une évolution de techniques de traitement rendues nécessaires par nos besoins. Personnellement, j'ai le sentiment que c'est là un domaine nouveau et que la biologie informatique va devenir tout aussi importante que la biologie moléculaire ou la génétique dans l'analyse du vivant. Au niveau expérimental, il paraît évident que nous sommes confrontés à un glissement de paradigme, dont les conséquences fort importantes affecteront la manière dont nous conduirons nos travaux scientifiques. Notre paramètre expérimental n'est plus le gène isolé, mais plutôt le génome. Bien souvent, on peut se passer de ce paramètre, surtout si on veut poser une nouvelle génération de questions dans le domaine expérimental. Or, la production d'informations génomiques, la pratique même de ça qu'on appelle la génomique, est aujourd'hui encore hors de la portée de la plupart des laboratoires, y compris les plus importants et sophistiqués. Tout ceci rappelle à la physique expérimentale, où le concept de méga-science est bien connu, et où la collaboration systématique de dizaines de chercheurs est souvent la règle. Mais il se trouve qu'en biologie, nous n'avons pas l'habitude de faire ça, parce que le financement et la sociologie de notre science, tout comme notre système de valeurs scientifiques, reposent sur le travail de petits laboratoires et le succès individuel pour le moment. C'est là un changement radical qui manifestement est porteur des incertitudes, mais qui va aussi nous permettre d'explorer le vivant d'une manière nouvelle et merveilleuse. En général, les biologistes intéressés par les mêmes questions, pourront choisir divers organismes comme systèmes expérimentaux. Ils pourront opter pour des approches plutôt moléculaires, plutôt génétiques ou plutôt embryologiques, et ainsi de suite. Contrairement de la physique, dont l'approche semble plus globale, la biologie porte clairement la marque de l'histoire naturelle et du caractère expérimental des organismes étudiés. Ainsi, à l'époque de Morgan, à l'équipe de Morgan et ses mouches, les embryologistes de Spemann, les embryologistes de Nicole Douarin ou les spécialistes de la biologie moléculaire du laboratoire de l'MRC définissent tous des cultures intellectuelles distinctes. Mais par-delà des différences de cultures, les vérités reconnues comme valides par les uns et par les autres, étaient et sont encore aujourd'hui toujours un peu différentes les unes des autres. Je ne parle pas évidemment d'une vérité globale quant au fonctionnement du monde vivant, mais plutôt de vérité locale. Notre matériel expérimental définit ce qui constitue la démonstration adéquate ou suffisante de telle ou telle hypothèse spécifique. Les impératifs pratiques pesant lourd sur la valeur de ce qui est considéré comme idée par opposition aux digressions triviales par rapport à une voie expérimentale donnée. On doit s'interroger sur le concept même d'un petit laboratoire avec quelques étudiants et un système expérimental spécifique va pouvoir survivre dans un monde qui ne se nourrit plus de quelques gènes, mais exige au contraire de génomes entiers pour calmer sa faim. Restera-t-il dans ce nouveau monde un peu de la place pour des vérités locales? Ou bien ne faut-il saisir le vivant que de manière globale? Les approches globales sont parfois telles qu'elles nous coupent le souffle, et peut-être
elles vont nous libérer une fois pour toutes de contraintes de systèmes expérimentaux spécifiques. Mais ce faisant, elles nous volent de ce qui pouvait subsister du romantisme de cette science de laboratoire dans laquelle nous avons grandi. Notre connaissance de la structure de génome est en train de porter des comparaisons et des considérations évolutionnaires vers des niveaux totalement différents. Et sans nul doute, DOR est déjà contribué à rapprocher l'étude de l'évolution et de la génétique moléculaire. Les interrogations sur les mécanismes sous-jacents des processus organiques et les questions du comment se font les choses ont été mises en rapport avec les questions du pourquoi de ces mécanismes. Le regard que nous portons sur les comparaisons entre espèces à la parenté lointaine n'aurait pu être envisagé il y a quelques années à peine. Et nous attendons tous désormais avec impatience de voir ce qui vont donner les comparaisons entre les espèces étroitement apparentées. En effet, les différences entre les espèces étroitement apparentées vont certainement nous permettre de comprendre le sens fonctionnel possible de segments donnés d'ADN, tels des séquences de régulation, dont la fonction n'est pas claire. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de souligner les possibilités qu'on va offrir les comparaisons entre, par exemple, chimpanzés et hommes. Il n'est pas difficile d'imaginer que ces comparaisons vont nous donner une idée de ce qui est dans le domaine de la biologie notre raison d'être. Le langage et la pensée sont à n'en pas douter, des paramètres biologiques de nature à nous intéresser tous. Il est évident que les caractéristiques physiques et comportementales, c'est pas un mot grec ça, ne vont pas lier de manière simple au nombre de gènes. L'homme n'a qu'environ deux fois plus de gènes que la mouche ou le ver. Chez l'homme, il semblait que la manière dont s'agencent les protéines à partir de domaines spécifiques soit plus complexe que chez les invertébrés, et pourtant 90% des modules de base intervenant dans ces processus sont les mêmes chez l'homme et chez la mouche. C'est vrai, nous sommes devenus beaucoup plus forts dès qu'il s'agit de déterminer si ce qui vaut pour Escherichia coli vaut aussi pour l'éléphant. En effet, la conservation a été l'un des grands enseignements de dernières décennies qui s'est trouvé confirmé par des données de génomique. Cependant, comme il faisait observer Pierre Chambon dans son leçon inaugurale, il suffit de regarder un éléphant pour comprendre que ce qui va pour lui ne vaut pas pour Escherichia coli quand même. Le degré de similitude entre le génome de l'homme et celui des organismes modèles nous oblige à nous poser la question du comment de la complexité. La complexité, c'est un terme que j'utilise ici de manière opérationnelle, même si le sens en est difficile à définir, mais intuitivement, il paraît évident que l'homme est plus complexe que la mouche. La manière la plus évidente, linéaire, d'accroître la complexité passe par l'augmentation de nombre de protéines ou des modifications post-traductionnelles ou post-transcriptionnel, affectant les unités génétiques données. Mais il ne faut pas pour autant exclure le fait que la complexité puisse être le fruit de diverses combinaisons d'expression du même répertoire génique de base ou encore d'un séquençage temporel différentiel de l'expression génique ou encore de toutes sortes de différentes quantitatives affectant l'expression génique. Un problème crucial intimement lié à la question de la complexité et qui a été et continue d'être au cœur de mes mêmes préoccupations intellectuelles de mon propre laboratoire, est celui de l'intégration du signal cellulaire. Il est clair qu'au cours du développement, le même mécanisme
et parfois utilisée à diverses reprises pour atteindre des objectifs différents. Le comportement pléiotrope de certains signaux cellulaires, comme celui qui passe à travers le récepteur Notch, est documenté depuis longtemps déjà, mais nous ne connaissons toujours pas les règles générales qui régissent ce comportement essentiel. François Jacob, il y a quelques temps, avait proposé de parler des intégrants. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce terme. Cela est un terme qui nous permet de saisir une propriété essentielle du vivant, la synergie. Le terme d'intégrant désigne une unité d'une structure définie composée d'un groupe d'éléments. Les systèmes vivants sont faits de divers intégrants qui s'associent pour constituer des intégrants de l'ordre supérieur et ainsi de suite. Le nouvel intégrant ainsi formé n'a toutefois pas tout pour propriété la simple somme de propriétés des éléments qui le constituent. Il est qualitativement différent. Les effets de synergie sont une source importante de complexité dans la mesure où il permet la création des événements nouveaux à partir de diverses combinaisons d'une collection d'intégrants donnés. Si les interactions synergétiques varient en fonction de profils tant qualitatifs que quantitatifs, les expressions géniques, sans parler de durée d'intervalle d'action, on comprend comment la complexité peut augmenter sans que change le cadre génique. La structure génique et la conservation des fonctions par-delà des barrières entre espèces nous permettent de jeter un regard unificateur sur le monde du vivant. Les conséquences en sont fort importantes, tant sur le plan méthodologique et épistémologique que celui de la vie de nos sociétés. De nombreuses maladies ont été associées à des mutations de gènes spécifiques. D'une manière plus générale, les analyses génétiques moléculaires ont souligné au cours de quelques dernières années l'existence d'une composante importante génétique de la maladie. Je crains que malheureusement, dans certains milieux, on assiste aujourd'hui à une funeste résurgence du déterminisme. Mais si la composante génétique de la maladie a ainsi été mise en avant par des études récentes, nous sommes loin de comprendre la manière dont les facteurs environnementaux peuvent exercer une influence sur les gènes. Corréler un phénotype à une mutation donnée ne relève pas de science exacte. Pour paraphraser le propos que tenait Morgan il y a plusieurs décennies, c'est entre le phénotype et le gène que se situe le champ même de la biologie de développement. Il ne faut jamais oublier que les corrélations entre gènes et phénotypes sont approximatives. Nous ne pouvons établir de corrélation stricte entre ce qui fait normalement un gène et ce qu'il fait lorsque son comportement est anormal. Parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. De plus, si nous voulons corriger une mutation ou, pour m'exprimer différemment, guérir ceux qui souffrent d'une maladie génétique, le ciblage du gène qui a été corrélé avec la maladie ne peut être pas celui qui convient. En effet, dans la cellule, les gènes ne s'agissent jamais seuls. Conceptuellement, il faut imaginer la cellule comme un réseau vaste et compliqué de points liés entre eux, dont chacun correspond à un gène ou à un produit génique. La manière donc tous ces points sont intégrés n'a pas encore été complètement élucidée, et pour tout à dire, c'est même la raison d'être de toute une série de laboratoires. Les conséquences d'une fonction génique donnée par la physiologie de la cellule dépend des interactions entre le gène en question et des autres composantes cellulaires, ou en autre terme, de la manière dont le gène en question est intégré au réseau de la cellule. De ces faits, corriger le dysfonctionnement ne veut pas nécessairement passer par la correction de la mutation qui a été corrélée par des moyens mendéliens à tel ou tel phénotype ou maladie. On pourra sans fait vraisemblablement corriger le phénotype en manipulant l'activité d'un autre point du réseau cellulaire, à un point qui a été lié au gène dysfonctionnel.
C'est un peu comme lorsqu'on se trouve avec une table qui branle, parce que l'un de ses pieds est plus court que les autres. On peut supprimer le branlement en rétablissant la longueur du pied court, mais dans certains cas, il peut s'avérer plus facile de raccourcir les trois autres pieds. Pour parvenir à cette fin encore, faut-il savoir évidemment que le pied trop court est lié aux autres pieds, aux trois autres. Disséquer les circuits de gènes présents dans une cellule n'est pas chose facile. La meilleure méthode, c'est aussi la plus efficace, et qui est aussi la plus efficace, nous est donnée par la génétique. Quand je dis génétique, je pense aux manipulations génétiques du type de celles qu'on peut faire vraiment seulement avec la mouche ou le ver. On ne peut pas faire ça, la même chose avec l'homme ou avec les mammifères vraiment. Mais si la mouche et le ver ont une architecture génétique qui, à bien des égards, à la même que celle d'homme, il en suit que l'étude de la fonction génique chez la mouche va peut-être nous apprendre des choses sur la biologie humaine. Faut-il s'étonner qu'après le dernier comptage, 60% de gènes pathologiques de l'homme et des homologues chez la mouche. À ce stade, j'espère être parvenu à vous convaincre que la biologie de développement, c'est une discipline extraordinairement vaste. À mes yeux, elle a aujourd'hui atteint le stade lointain auquel songeait Wilhelm Roux à la fin du 19e siècle, lorsqu'il disait que la biologie de développement pourra peut-être un jour devenir la base commune à toutes les autres disciplines biologiques. La génétique et la biologie de développement ont été mises en rapport l'une avec l'autre dès lors qu'il a été démontré que chaque étape de la morphogenèse de l'embryon est contrôlée par l'action coordonnée de hiérarchies de gènes spécifiques. L'analyse moléculaire de ces hiérarchies de gènes démontre l'extraordinaire conservation du cadre génétique fondamental par-delà des frontières des espèces, et la conservation, pour sa part, rendu accessible divers problèmes médicaux. Ce n'est que récemment que cette mise en rapport a été rendue possible et le langage de la communication entre biologie fondamentale et médecine n'est pas encore très sophistiqué. Son exploration, je dois dire, m'intéresse beaucoup et j'aimerais, si je le peux, contribuer à son développement, non seulement par un travail de laboratoire, mais aussi par l'enseignement que j'avais assuré au Collège de France. Cette mise en rapport nous donne en effet une nouvelle problématique qui doit non seulement permettre d'élaborer de nouvelles approches méthodologiques, mais aussi contribuer à rapprocher deux cultures intellectuelles distinctes. Je suis pour ma part convaincu que nous continuerons de modifier, voire abolir vraiment les frontières entre les disciplines biologiques. L'unité que nous commençons de discerner en biologie est en train de démonter toutes les barrières. Et je suis sûr que si ma leçon inaugurale avait eu lieu, non pas aujourd'hui, mais dans une dizaine d'années, je vous parlerai avec excitation de la manière dont les méthodes du calcul de la chimie sont en train de changer la face de la recherche en biologie. Si la biologie du développement est au cœur des recherches biologiques d'aujourd'hui, il en va de même de son rôle dans nos vies. Du fait des liens étroits qui entretient la biologie avec l'existence d'hommes, le progrès qui hier encore faisait figure de fiction et qui aujourd'hui sont bien réels, nous ont conféré de pouvoirs inattendus. Ainsi, les sciences biologiques ont envahi nos vies comme aucune autre discipline scientifique, remettant en cause la maladie, défiant la mort, menaçant nos mythes. Le meilleur du monde s'approche, mais est-il vraiment meilleur? La réponse ne peut être que oui. Je dis ça après mûre réflexion, non parce que je cède à l'ensorcellement
de résultats expérimentaux auxquels je n'osais même pas rêver. Mieux vaut toujours en savoir plus. Nous connaître nous-mêmes, le gnosis afton de Socrate, ne relève pas de l'exercice intellectuel, mais de l'obligation vraiment. Le savoir ne connaît pas de limites, mais en même temps, le savoir n'a ni éthique ni passion, au contraire de nous. Le savoir nous offre donc des possibilités que nous pouvons utiliser à bon ou mauvais escient. Les implications potentielles des connaissances biologiques touchent si près de la condition humaine qu'il n'est pas étonnant que nos sociétés en soient aujourd'hui transformées. Où il s'agisse de rapports entre individus et sociétés, de politiques de la santé, de la mise au point de la distribution de nouveaux médicaments, du clonage des êtres humains, de la prolongation de la vie, de la définition de nouveaux traitements, aujourd'hui, tout subit l'influence de notre connaissance des principes physiques qui expliquent le vivant. La place qui occupe la biologie et la génétique du développement entraîne forcément la vulgarisation de concepts scientifiques complexes qui portent cette discipline vers un champ de débat populiste. Cela pose des problèmes graves, car il faut déterminer comment et par le truchement de qui diffuser l'information biologique. Je ne suis pas particulièrement ébloui par ceux qui ont pour tâche de diffuser ce type d'information, pas plus par ceux qui contrôlent les publications de nos travaux scientifiques. J'estime qu'en tant que spécialiste de la biologie, c'est à nous qu'il compte d'assurer un rôle de premier plan en la matière et d'aborder des questions de manière réfléchie, novatrice, mais ferme. En tant que citoyen, démocratique, notre devoir civique est de veiller à ce que le savoir biologique ne soit pas déformé ni utilisé comme utile par ceux qui détiennent le pouvoir et cherchent toujours des arguments rationnels pour excuser leurs préjugés et leurs passions. Mais quand même, notre époque devrait célébrer la biologie et non la maltraiter. François Jacob encore, dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1965, en plein milieu de cette révolution de la biologie moléculaire, dont il avait été l'un des moteurs, et qui au bout du compte allait réduire vraiment le phénomène biologique à de la chimie et de la physique, marquant une pause pour se demander si le principe de la physique suffirait à expliquer les phénomènes, des phénomènes aussi complexes que la morphogenèse et le processus de la pensée. Je crois qu'il conviendrait avec moi qu'en ce qui concerne la morphogenèse, la réponse, si elle n'est pas tout à fait encore affirmative, semble d'avoir d'être. Quant au processus de la pensée, je pense que la réponse sera aussi oui. Et en vous disant cela, je vous révèle mon credo fondamentalement réductionniste, et je ne vois en effet pas la nécessité d'invoquer un système de valeurs scientifiques différent de celui que nous fournissent la physique et la chimie pour expliquer le phénomène qui sont proches du pneuma. Mais en tant que chercheur et donc en tant qu'agnostique, je dois laisser la porte ouverte à de nouveaux systèmes de valeurs. Mais s'il existe, j'espère être encore là pour le voir. Je vous remercie.